France, les cérémonies se poursuivent sur les plages de Normandie. On va déposer à la mémoire de tous ces militaires qui se sont sacrifiés, qui ont fait pour plusieurs, pour des milliers, le sacrifice de leur vie cette journée-là. Des gerbes de fleurs sur la plage de Juno Beach. Vous voyez à l'avant-plan Justin Trudeau et Gabriel Attal. Alors, ces trois dirigeants, on voit Gabriel Attal à gauche, qui représente la France libérée. En fait, c'était le début de la libération, il y a 80 ans. Justin Trudeau et les forces canadiennes qui ont envahi cette plage. Et le prince William, qui représente les forces britanniques, qui étaient davantage sur les quatre autres plages auxquelles on avait donné des noms de code pour cette opération qui a donné lieu à une campagne pour la libération de la Normandie et qui, par effet domino, a fait tomber les nazis dans l'ensemble de l'Europe, les a fait capituler quelques mois plus tard. C'était un moment, un point tournant de cette Deuxième Guerre mondiale, mais il ne faudra jamais oublier le sacrifice de ces jeunes, parfois 19, 20 ans, qui débarquaient sur une plage en plein enfer avec les tirs des mitraillettes allemandes, les bombes qui tombaient sur la plage. Plusieurs n'ont fait que quelques mètres sur cette plage et sont morts cette journée-là. Près de 300 militaires canadiens ont payé de leur vie juste lors de cette journée du 6 mai 1944. It is now time to introduce our final act of the ceremony. Performing their song, Highway of Heroes.